On n'est pas content. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. On n'est pas content. Non, non, non. Silence, on tourne. Bon, ça c'est fait. C'est marqué là. Donc ceci est une manifestation propre en bonne et due forme, carré, même si c'est un rectangle. Donc aujourd'hui, on va vous faire un sujet très 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 sérieux. Parce que ça ne rigole plus. Même si ça se voit. Mais on dans va la être politique, sérieux. Dans l'économie, dans la totale. Alors, on a décidé d'un petit peu parler très rapidement quand même d'un sujet qui nous très actuel et qui nous touche très directement surtout. Directement. C'est Nombrexit. Donc pourquoi est-ce qu'on va vous en parler aujourd'hui? Ben, pour ceux qui ne sont pas totalement au courant, l'Écosse, en fait, qui est quand même un petit peu notre fonds de commerce, fait jusqu'à présent partie de l'Union Européenne, mais via la Grande-Bretagne. C'est ça. Et comme vous le savez, bah non au Brexit, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de nous sortir de l'Union Européenne. Donc du coup, bah, ça pose quand même pas mal d'inconvénients, et on commence déjà à le sentir alors qu'ils sont toujours dans l'Union Européenne. Ça fait quelques mois qu'on le sent. Donc quand même quelques mois qu'on commence à le sentir. On va dire qu'ils se préparent au Brexit. Ils nous préparent psychologiquement au Brexit. Ils mettent de la crème. Ils mettent de la crème, ils nous préparent, ils augmentent leur prix, c'est magnifique. Donc, ils sont plus longs dans les délais. Ils suppriment plein d'articles des voilà. commandes. Ils sont occupés déjà à nous préparer. C'est sympa hein, quand même. C'est vraiment chouette. Très élégant. Donc, c'est aussi une petite vidéo pour vous expliquer que dans le futur, on a déjà parfois difficile avec nos commandes, mais clairement, ça va pas s'arranger parce que maintenant, il va y avoir des douanes, il va y avoir des contrôles douanes, il va y avoir plein de choses sans doute qui vont se mettre parce qu'on n'a pas les accords du Brexit, mais on n'est pas débiles. Hein. On sait bien que ça va se passer. Donc peut-être même que ça va se rétablir très vite, parce que dans les options, c'est que l'Écosse revienne dans l'Union Européenne en sortant quelque part de son union avec l'Angleterre, on verra. C'est peut-être une excuse valable pour eux de le faire. C'est important d'en parler aussi, parce que y a quand même beaucoup d'articles qui viennent d'Écosse, c'est-à-dire qui transitent par ce pays pour leur donner une légitimité écossaise. Oui. Et plus que probable que dans le futur, le détour par l'Écosse se passe plus, parce que sinon ça va augmenter les frais de douane et les prix, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont plus transiter. C'est un peu comme le saucisson corse, hein. Il n'y a pas assez de cochons en Corse pour faire tout le saucisson corse. C'est un peu le même principe, il n'y a pas assez d'usines en Écosse pour faire tous les kilts écossais. Donc ça va sans doute se voir un peu plus dans le futur aussi. Donc on essaye de se diversifier aussi, on essaye d'élargir nos gammes de fournisseurs, etc., etc. Ce sont des choses qui prennent du temps. On cherche des solutions. Mais les solutions, on les trouvera. Vous nous connaissez un petit peu. Donc voilà, cette vidéo aussi, je pense que le contenu était très réfléchi, très intellectuel, très pesé. On a bien analysé la situation. On vous a donné des chiffres, des tableaux, des PowerPoints, hein, ça rigole plus. donc voilà. Vous avez maintenant de quoi vous faire un avis bien clair grâce à vos deux spécialistes habituels. N'oubliez pas de liker et non Brexit. Donc non. Likez non Brexit. partagez la page et la vidéo et on se retrouve très bientôt. Nous retournons manifester. On retourne manifester. Oui. Non au Brexit. On n'est pas content. Non au Brexit. On n'est pas content. Non au Brexit. On n'est pas content. Abonnez-vous à nos vidéos. Non au Brexit. Abonnez-vous à nos vidéos. Au Brexit. Non au Brexit.